difficulté consiste à bien choisir les mots-clés. Je devrais peut-être relire le poème de Radu pour bien l'avoir en mémoire. Toute la difficulté consiste à bien choisir les mots-clés. Je devrais peut-être relire le poème de Radu pour bien l'avoir en mémoire. La difficulté consiste à bien choisir les mots-clés. Je devrais peut-être relire le poème de Radu pour bien l'avoir en mémoire.
Toute la difficulté consiste à bien choisir les mots-clés. Je devrais peut-être relire le poème de Radou pour bien l'avoir en mémoire. Yerebatan, la citerne basilique d'Istanbul, c'est la basilique engloutie dont parle le poème de Radou. Si l'hypothèse de Marlène se vérifie, un ordre secret baptisé l'Ombre du Dragon y a caché son QG. Vous ne devriez pas être encore chez vous, Hélène. Pardon ? Vous n'êtes pas en sécurité. Votre ami Jerry a été retrouvé mort à son appartement. Quoi ? Ils sont sur vos traces. Et je ne parle pas de la police. Qui êtes-vous, bon sang ? L'ami d'un ami, si on peut dire. Il paraît que vous avez effectué un travail remarquable sur son portrait. Nous savons qu'il vous a échappé. Mais si vous le retrouvez et si vous le lui rapportez... Il vous en sera très reconnaissant. Vous êtes cinglé. Il est fascinant, n'est-ce pas? Mais croyez-moi, le modèle l'est encore plus. Vous parlez de Dracula? Vous ne devriez pas perdre votre temps à poser des questions inutiles. J'ai laissé un paquet devant votre porte. Prenez-le, et ne traînez pas. Mais où voulez-vous que j'aille, enfin? Suivez votre instinct, Hélène. Je suis sûre que vous saurez trouver votre chemin. Il faut que je contacte Jerry. Ça peut pas être vrai. Allô ? Allô ? Jerry ? C'est Hélène. Bonjour, madame. Monsieur Berovsky ne peut pas vous répondre. Mais qui êtes-vous ? Police de New York. J'ai une bien triste nouvelle à vous annoncer. Madame... Cross. Hélène Cross. Mais de quoi parlez-vous ? Comment va Jerry ? Monsieur Berovsky est décédé. Je suis désolé, madame Cross. Ce n'est pas possible. Que lui est-il arrivé ? Je ne peux pas vous en parler au téléphone. Mais j'aimerais vous rencontrer. Je vous attends demain matin au commissariat. La femme au téléphone a sans doute raison. Si Jerry est mort à cause de ce stupide poème, je suis certainement en danger. Il faut que j'aille à Istanbul, que je découvre ce que la citerne basilique cache de si précieux. Faux papiers. C'est exactement ce qu'il me fallait pour quitter le pays sans attirer l'attention. Mais comment cette femme savait-elle que j'en aurais besoin ? Et où s'est-elle procuré ma photo ? Soit j'ai un ange gardien, soit quelqu'un se sert de moi. Thank you.
Bonjour, monsieur. La citerne est-elle encore ouverte à la visite ? Oui, oui. Vous avez encore une petite heure devant vous. Et comme il y a des travaux et que tout n'est pas accessible, l'entrée est gratuite. Est-ce que les gorgones sont visibles ? Malheureusement, non. C'est bien pour ça que nous ne vous faisons pas payer. Vous ne pourrez pas approcher la célèbre colonne aux yeux de Pan non plus. Ah, mais il n'y a personne. Vous ne pourriez pas faire une petite exception ? Désolée, mademoiselle. La règle est la même pour tout le monde. Bonne visite. Ce n'est pas le moment de passer des coups de fil. Le serveur est parti sans récupérer l'addition et l'éventuel pourboire. Le serveur est parti sans récupérer l'addition et l'éventuel pourboire. D'après le plan, la citerne ne contient que deux sculptures de gorgones. Or, le poème de Radu parle d'une troisième. C'est là que doit se trouver la colonne aux yeux de Pan. Les différents numéros de téléphone du site. D'après le plan, la citerne ne contient que deux sculptures de gorgones. Or, le poème de Radu parle d'une troisième. La colonne aux yeux de Pan doit se trouver juste après cette grille. C'est verrouillé. Le gardien doit certainement avoir la clé, mais jamais il m'ouvrira. Il va falloir que je trouve une idée pour l'éloigner. Inutile de le déranger davantage. Il me faut une pièce.
Allô ? Je voudrais parler à la sécurité, s'il vous plaît. C'est urgent. Ça tombe bien, c'est moi la sécurité ici. Qu'est-ce qui se passe ? Qui est à l'appareil ? Je travaille en face de la citerne, et il y a en ce moment une bagarre juste à l'entrée. Vous êtes sûr ? Ah oui, il faut intervenir au plus vite avant qu'il n'y ait un mort. Je vais aller voir, madame. Mais dans ce genre de situation, c'est la police qu'il faut prévenir. Bon, j'espère qu'il va vraiment monter voir. Cette barque pourrait me permettre d'explorer la citerne. Il faut que je trouve un moyen de l'atteindre. Je ne peux pas passer. La barque est amarrée à l'échafaudage. La cachette de l'ombre du dragon se trouve quelque part dans cette citerne, mais sans repère pour m'orienter, je la trouverai jamais. La cachette de l'ombre du dragon se trouve quelque part dans cette citerne, mais sans repère pour m'orienter, je la trouverai jamais.
Cette pierre n'a pas l'air bien fixée. La cachette de l'ombre du dragon se trouve quelque part dans cette citerne, mais sans repère pour m'orienter, je la trouverai jamais. C'est là que doit se trouver la colonne aux yeux de Pan. Je ne partirai pas d'ici avant d'avoir trouvé la cachette de l'ombre. D'après le plan, la citerne ne contient que deux sculptures de gorgones. Or, le poème de Radu parle d'une troisième. C'est là que doit se trouver la colonne aux yeux de Pan.
troisième gorgone au visage renversé. Comme dans le poème, il faut que j'aille voir ça de plus près. Une boussole en or. Un des vers du poème de Radou disait « Suis sans crainte, mon enfant, le sens qui t'est donné ». Cette boussole est peut-être une partie de la clé de l'énigme.
M'a paru interminable. Je ne dois pas être loin de l'entrée de la cachette de l'ombre du dragon.